Comment terminer, fabriquer une petite sculpture? Oui, ben donc Jean va aller refaire un petit peu de recherche. J'ai encore quelques pierres quand même là, donc on peut encore faire des statues. Ok, on peut encore faire une petite statue ou deux en plus. Alors, on va en faire deux, voilà. La maison est un peu plus propre cette fois-ci, ça y est. Je voudrais que ce soit Grizzly qui fasse maintenant. On va juste regarder en une bourse. Je voudrais savoir au niveau du rendement du minage. Qui est-ce qui peut me faire du rendement de minage? Tous les trois. Grizzly, Libellule et Decker. Grizzly, Libellule, Decker. Grizzly, Libellule et Decker. Donc, Grizzly, Libellule et Decker peuvent me faire du minage qui est après la construction. Grizzly, Libellule, Decker et Allo. Bon, ben pas trop pour le moment. Bah si, c'est pas grave, tu peux en faire aussi. C'est bon. Donc on va demander de creuser tout ceci. On verra ensuite comment on fera pour voilà. Maker me fait enfin des petits bidules. Parfait. Tu es bien assis là, je suppose. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de toi, mon petit? Il y a une chaise en métal excellente. Ok. Allô, après, tu viendras me faire un chapeau. Tu vas venir me prendre un chapeau. Non, c'est de l'agonie que tu me fais d'abord. Ah. Je voulais d'abord du chapeau, s'il te plaît. Voilà. Par contre, donc on a une guenite sauvage qui vient d'arriver, qui n'est que bonne. Non, c'est en tissu ça. Donc toi, tu dois être logiquement en cuir de dromadaire. 14 et demi. Bah, c'est mieux que rien ça. Et donc on va regarder notre ami Grizzly, ce qu'il a. 14 et demi, 11, 9. Ok. Grizzly, après tu viendras. Shift. Ah, on aura ça. Une année, c'est enceinte. Je crois qu'on a un animal à récupérer de nouveau. 30 jours, 29 jours. Ok. Ensuite, ici, on va demander que je ne veuille plus parce que j'ai plus de place. On va enlever ici, je vais accepter déjà les végétaux. J'ai tout accepté en végétaux là. Donc, normalement, ici aussi, je dois avoir tous les végétaux. Logiquement. Tous les végétaux, voilà. Allô, t'as un chapeau ou pas qui est prêt pour toi? Non, pas encore. Tu vas en avoir un bientôt, mon petit. T'avais faim, maker? Ah, pom, pom, pom. Ah ouais, pas de chance. Bah, tu vas faire le chapeau, tu feras la guenille après. Ah bah, pas grave. Je veux pas qu'il perde trop, il est interdit. Parce qu'il perd, hein, il n'a qu'un 1 plus ici. Mais je crois qu'il avait quand même. Perspicace, il apprend plus vite, mais enfin, pour le moment tout va bien, je pense. Voilà, là on a nettoyé, j'ai besoin qu'on vienne parfait. Là maintenant il fait moins 3, moins 4, vous voyez, donc ça c'est parfait. On va continuer à miner ici jusqu'au moment où on n'a plus rien.
Donc voilà, moins 2. Donc effectivement, bon, il va falloir aussi, bien entendu, retravailler ceci, hein, ici en bas, mais on va quand même stop. Miner, on a beaucoup à miner encore. Un chef-d'œuvre, c'est quoi? C'est un chapeau. Un chapeau en fourrure de loup. Magnifique ça. Visez-moi ça. Alors ça va être pour un des mecs de derrière, bien entendu. 12 degrés, pourquoi? Parce qu'il a presque 30% de perforance qu'un autre chapeau n'aurait pas. Donc ça va être pour Libellule. Libellule, elle a quoi pour le moment? Elle a un chapeau de cow-boy en cuir de lézard. Donc qui n'est pas terrible du tout, vous voyez, qui n'a que 18. Eh bien, c'est pour toi, ma jolie. Grizzly. Master. Master. Voilà. Ensuite. Ok, on envoie le truc ici maintenant, ça passe. Toi, mon ami, tu vas où? Tu vas errer, ok. Par contre, je voudrais que Ayo, une fois que tu as fini de jouer à ça, mon ami, tu vas me transporter le lait. Et le lait. Comme ça. Qu'est-ce que c'est? T'as foncé comme une brute. T'as été me porter quoi? Ah, t'as été me porter de la viande peut-être, ou je sais pas quoi. Alors, ça va me permettre de pouvoir bouger cette viande de là. Peut-être que lui, non, il va pas le faire, certainement pas. Bon. Donc ici, je voudrais, on va enlever tout ce qui est métal. Est-ce que j'ai de la place dehors pour du métal? Bon. Est-ce que vous avez accepté les débris de... Non, il n'y a aucun morceau ici. Il n'y a pas de morceau de roche, il n'y a pas de débris d'acier. Donc logiquement, vous devriez me mettre ça là-bas. Stockage, débris d'acier. Ah, c'est parce qu'elle est basse. Ok, on va te remettre en normal alors. Parfait. Donc comme ça, peut-être que les animaux vont aller me porter les débris d'acier. Ensuite, voilà, ça commence à bouger. Jean, après tu vas... Ouais, tu fabriques une petite sculpture. Vas-y, fabrique. Tu fais ça. Ensuite, tu vas m'envoyer... Fais ça. Ensuite, il y a beaucoup de trucs à faire. Je vais trop vite, j'aime pas ça. Pour le moment, j'ai un problème. Il y a plein de gens qui font des trucs qui servent sans doute à rien du tout. Nous allons regarder qui est ce dromadaire avec son truc sur le dos. C'est dromadaire 2. D'accord. Donc, je vais créer une nouvelle zone. Pour une nouvelle zone tout court, on va dire ça temp ou zone 1, on s'en fout. Je veux que ma zone 1 elle vienne ici. Voilà. Et j'ai dit que c'était le numéro, donc toi,
C'est le dromadaire 2. On va mettre animaux dromadaire 2. Où est-ce qu'il est? Voilà, dromadaire 2. Je te mets dans zone 1. Tac. Ok. Allez, vas-y, dromadaire 2, fous le camp. Viens ici, fous le camp. Parfait. C'était du bon Bourville, ça, à l'époque. Et on descend tous nos petits bidules ici. Comme ça, on ne s'embête plus avec ça. Animaux, on revient ici. 30 jours, t'es mort. 32 jours, t'es mort. Encore un de fait. Bon. Voilà qui est fait. Ensuite, nous allons encore créer plein de 600, c'est de l'ardoise. Architecte, ordre, sécurité, piège à pointe en ardoise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, ça fait 450 et 580. Nous avons encore de l'ardoise là-bas, donc ça fonctionne. Ici en bas, nous en sommes où? On peut encore ordre. On va continuer. Avec une petite lumière, ça serait peut-être sympathique. On va te réinstaller ici. Ensuite, il va falloir que nous aplanissions ceci et ceci. Alors, un chef-d'œuvre encore, maker, un chapeau. C'est bien, mon petit. Alors, on a assez pour le moment de chapeau de cow-boy, on va reprendre des guenilles plutôt. Et je suis à 5. Ah, ok, on est à 5 ici. Nous avons, il me faut des casques maintenant. Alors, je veux du casque de commando. On va l'ouvrir. Ceci, on va le. Il me reste ça. Une guenille, hein. Donc, Maker, tu me fais ça. Tu priorises ceci. Et après, on va le stopper. Voilà, stop. Maintenant, je t'arrête un petit peu. Il n'y a pas besoin d'en faire de trop non plus. On va stopper ceci. Donc, vous voyez que ceci, moi, je n'ai pas pris d'électrique, hein. Je suis toujours avec mon établi de tissage manuel en métal, qui normalement pourrait même se trouver dans une pièce où il fait noir, etc. Parce que ça va très vite quand même pour faire des vêtements. Et surtout, ça vous fait gonfler l'XP, quoi. 50% quand vous êtes 20% de plus vite, pardon, 20% en plus en perte de vitesse quand vous êtes dans le noir. Si vous étiez dans le froid, on pourrait même le mettre dans le frigo ou un truc pareil, quoi. Hein. Ok, donc là, tous ces gens-là, c'est bon. Donc normalement, Decker maintenant va me faire ceci. C'est parti, mon kiki. Il me faut deux casques. Allô, mon ami, il te faut pour le moment un chapeau. C'est qui sont les bons chapeaux? Voilà. Bon, un master. Allô, tu te prends un master. Prends-toi d'abord le master. Il est où, mon master? Il est là. Ben, on va faire ça d'abord. Tu rapporter tes trucs après. Voilà, une fusée de tir pour Maker, c'est très bien. Voilà, Maker maintenant est nouveau à 100%. Eh ben, tant mieux. Hein. Et il est à 19h30, malheureusement. Là, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Il va encore falloir beaucoup de temps pour y arriver. Alors, on peut envoyer ceci là-bas.
Ensuite, ce sera au suivant là-bas. Alors, attends. Dame, tu me fais quoi? Tu nettoies ça, thé, amène-moi ça. Voilà, merci. Tu vas remballer tout ça. Ah, pas de chance, c'est chez nous. C'est chez nous. Donc pour le moment, il fait 67, donc ça veut dire qu'on va peut-être se prendre un petit 87 dans le nez. 87 degrés, c'est bien possible qu'on se prenne ça dans le nez. Ok. Bon. Ben, ça serait très bien qu'on ait une petite attaque de raideurs humains cette fois-ci, ça serait très bien. Mais bon, c'est pas sûr du tout. Bon, pour le moment, donc, on n'a pas trop de problèmes. En intérieur, ça va. On va peut-être devoir fermer des portes. Intérieur 13. 24. Oh là, il fait 14 ici. Je crois que je n'ai plus pris de lait ici, hein, de toute façon. Je n'ai plus que des végétaux. Hein. Il n'y a pas de lait, ok. Ici, je suis à combien de degrés? Ici, je suis à 7 degrés. Ouais, mais je vais pouvoir fermer ce truc ici. Donc, je vais plutôt creuser par ici. Je crois. Et ici, de toute façon, là, on est bon avec 24 degrés dehors. Bon, comment on fait ça, les enfants? Une vague de chaleur. Shit. Ouais, il faut que je coupe ce truc. Il faut que je ferme ça. Ça, c'est sûr. À 67, on arrive toujours à 0 degré. Je crois que je vais perdre de la viande. Je vais faire du... On va faire du pemmican, je crois. Donc on va autoriser, ici dedans, on va autoriser du pemmican. On va autoriser le pemmican. On va transformer notre viande en pemmican parce que là, je vois pas très bien comment on va pouvoir tenir. On risque de perdre pas mal de viande autrement. Donc, toi, tu me fais quoi? Ajouter une tâche. Minimum 6.
Ouais, c'est pas la peine d'aller faire les autres. Voilà, on a tout ce qu'on veut en viande crue, sauf la viande humaine, ok. Et ensuite, il faut des végétaux avec ça. Ah. Alors, qui est-ce qui tient plus longtemps? Les champignons, le riz, les pommes de terre. Montre-moi un peu les champignons, combien de temps ils tiennent. Les champignons, ça tient. Là, il me dit dans 22 jours. Ceux-là tiennent plus longtemps, pour le moment. Ok, on va faire des champignons. Hein. Enfin, on va faire avec n'importe quoi. On s'en fout un petit peu. Voilà. Bon, chauffe, du coup. Ah oui, il n'y a plus rien là, ok. Donc le pemmican, tu vas. Alors, on va nommer autrement nos frigos aussi, ici. Donc toi, tu vas être nommé à. Je sais pas. On va dire frigo. Frigo serre. On va dire que cela sert. Je sais pas encore pourquoi. Hein, on verra bien. Frigo serre. Alors tu acceptes tout sauf de la viande. Oui. Sauf de la gelée d'insectes. Je veux pas non plus. Ok. Donc on a celui-ci normalement qui pousserait. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je pense à. Tu sais ce qu'on va faire? Je sais pas ce qu'on va faire. Donc là, tu es à 13 degrés, c'est trop. Ici, tu es à 7 degrés, c'est beaucoup mieux. Donc ça voudrait dire qu'il me faudrait un deuxième. Comme ça, mais le problème c'est que surface n'est pas génial, génial quoi. C'est ça le problème. Pour deux, je préfère avoir une grande pièce comme ça, vous voyez. Pourtant, il est bien protégé, hein. Il est très bien protégé. Bon, je pourrais aussi bloquer les portes pour le moment. Mais je crois que ça ne suffira pas. Déjà, toi, on va faire comme ceci. Et on va fermer ici. Toi, tu es fermé, bien entendu. Ok. Bon. Mes animaux, on va. Bah, ils peuvent. De toute façon, dehors, il n'y a rien. Ils ne savent rien me ramener. De toute façon, il ne reste plus rien. Donc. On va certainement pas leur faire ramener quelque chose. Donc, on va juste creuser, quoi. Hein? Continuer à creuser. Et ils vont juste me récupérer les petits trucs comme ça, les trucs comme ça, etc. Quoi. C'est. Voilà. Bon, je suppose on va se prendre donc du 87 sans doute. Libellule grizzly. Tu fais quoi? Tu te reposes, oui. Libellule. Bon, allez, allez dormir les gars. Montrez-moi un peu ce que ça donne. 6 degrés. 10 degrés et ici on tient le coup. 0 degré, on tient le coup. Tu veux me casser quelque chose ou pas? Un orage de chaleur, hein, 74, ça y est. 75. Vache. Viens ici, s'il te plaît. Viens me faire ça. Ensuite, tu me fais
ceci. Merci. Ok, maintenant je voudrais une porte une porte toute simple, toute bête, une porte architecte, une porte en calcaire, voilà, ce sera parfait. Bien. Et je voudrais que ce soit mon libellule qui me fasse ça par après. Donc elle a fini de dormir. Voilà. Ensuite, on a vent de dromadaire a pourri dans le stockage. C'est pas le bon truc, ça, hein? Ça, si on commence à ouvrir, à laisser la porte ouverte, c'est pas très intelligent. Voilà qui me fout le feu maintenant. Alors, tu m'as mis le feu là-bas. Ok. Parfait. On va te faire nettoyer ça aussi. Ici aussi. Tant qu'on y est, hein. Ça sera aussi joli comme ça. Bon, on a un anarchiste qui nous rejoint. Eh bien, monsieur l'anarchiste, qu'est-ce que tu es? 16 ans, et c'est un mâle, pas de chance. Tant pis, c'est pas grave. Alors, ta santé est comment, mon ami? T'as pas de problème de santé au départ. Tu n'as pas de problème, et tu es en bio. Tu es misogyne. Bon, ben on fera avec, hein. Tu pourras jamais te marier, mec. T'as du tir et t'as de la mêlée, tant mieux. Bon, jusque-là, à part ça, t'as rien pour toi, mais tu es robuste. Et donc, tu vas ne perdre que la moitié des dégâts. Donc, tu vas être un excellent mêlée. Tu vas être un excellent mêlée. Tu vas être un excellent mêlée. Ok, mec. Alors, assignation. Tu vas devenir un ouvrier, mon ami. Déjà, commencez avec ça. Est-ce que j'ai du truc pour toi? Ouais. On va te donner une guenille. Mais pense pas une comme ça, mais... pas en tissu que je veux t'avoir, c'est en... Bon, c'est en tissu, t'as pas le choix pour le moment. Ok. On va te donner Ali, puisque tu... c'est bien, il y a... Bon, misogyne, malheureusement. Mais bon, c'est pas très... Je veux dire, c'est pas très grave, parce que je vais tellement vous donner des bons trucs. Regardons déjà d'équerre. Qu'est-ce que tu as déjà comme... T'as juste un œil, toi. Et toi, un nouveau bras aussi, toi. Hein? Dan. T'as perdu un petit peu là, c'est pas trop grave, ça. Vache, jusque-là, c'est ton œil. Hein? Il te faudrait un autre œil aussi, toi.
Oui, parce que t'es défiguré à cause de ça. C'est pour ça que t'arrives pas à te marier, toi. Tu veux te donner un œil, vite fait, bien fait, dès qu'on a terminé ça. Donc, il me reste 4 bidules. Ah, il reste encore 2. Il me faut un œil bionique. Ajouter une tâche, hein, il me faudrait un œil. J'ai combien de casques? Je n'en vois qu'un seul hein, pour le moment. Ouais. Il n'y en a qu'un seul hein, de casque pour le moment. Alors, on va aussi peut-être ouvrir ce truc. Il y a encore des poignards? Ouais, il y a encore quelques poignards. Donc, tu peux toujours me faire les poignards. Hein. Donc, on va ouvrir ça aussi. On va activer. Attention, ça consomme 700 watts. Hein. C'est pas donné. On va également améliorer. Ça, c'est combien? Elle est bonne. Ça, elle est excellente. Voilà. Petit à petit, on y arrive. Hein. Ouais, il faut que je décide également ce que je vais faire avec toi, monsieur l'anarchiste. Ben déjà, au départ, tu vas, hop, tu vas venir comme ça. Hein. Tu vas déjà venir en pompier. Le cœur sera en deux en pompier. Toi, tu passes en un. Tes patients, un. Se coucher pour les soins d'urgence. Ok. Ensuite, médecin, tu vas être. On va déjà te mettre à zéro, comme ça, et puis je te mets en deux. Comme tous les autres. Hein. Voilà, le repos en trois, la manutention, on va te mettre en deux la manutention. Geôlier, tu ne feras normalement. Pas du tout, t'as rien à peu près à faire. Si tu peux venir me faire des trucs comme ça. Ouais, t'as rien de ta faute, de toute façon, de ta journée. Voilà. Voilà. Dresseur, bah rien du tout, à part nourrir les animaux. T'abattes les animaux, tu peux faire. Traire du lait, non. Tondre, non. Apprivoiser, non. Et dresser, non plus. Cuisinier, tu ne vaux rien. Mais tu peux très très bien amener à bouffer. Voilà. Ensuite, chasseur, on t'oublie. Et on avance un petit peu au niveau suivant. Ici, tu as. Et tu aimes bien faire ça. Donc tu vas pouvoir faire comme tout le monde. 3. 3. 3. Et ensuite, fermier, ben, t'as zéro. Ben, tu vas me faire quand même du 2. Peut-être pas, non. Je crois que toi, je vais complètement t'oublier parce que t'es tellement nul que t'es tellement mauvais. Là, j'ai quand même 7. Là, j'ai 5. 13, 4, 4, et c'est déjà assez long comme pas, c'est bon, on va pas s'embêter. Et même maker, je vais aussi t'enlever ça pour le moment. Mineur, tu vaux rien au minage, mais tu aimes bien. Donc on va te laisser miner. Forgeron, alors tu vaux rien, donc on va t'enlever tout. Fabriquer des objets, des armes, non. Établi d'assemblage non plus. Et bah t'as zéro mec, et puis c'est tout. Couturier zéro. Art, tu peux même pas en faire. Artisan, tu vas pouvoir travailler, confectionner un établi. Voilà, on va te mettre en 3. Travailler à la raffinerie. Ouais. Produire de la drogue, tu peux en faire si tu veux, si tu y arrives. Travailler les pierres et faire fondre des objets. Voilà.
Mes cœurs, on va plutôt te mettre en 4 toi pour les objets. Voilà. Voilà. Je pense que. Ensuite, tu vas te faire du 3 et du 2. Ou du 2 et du 3. Ou Allo va faire du 3. Dan va continuer à faire du 2 en nettoyage. On va faire du 3. Et toi, tu vas me faire 2 et 2. Voilà. 2 et 2. C'est bien comme ça. Je ne crois pas que tu vas t'amuser à me faire ça pour le moment. Ça ne sert strictement à rien. Mes cœurs, c'est la même chose. Pour le moment, je n'ai pas trop besoin de toi. Et toi non plus. Voilà. Je vais plutôt te mettre en nettoyage. Voilà, on va te mettre comme ça. Je pense que ça devrait. Donc tu passes en 2, donc tu devrais pas normalement faire le minage. J'ai déjà quelqu'un à t'occuper dessus. Voilà. Allez. 79 degrés. Coup de chaleur pour. Oui, c'est normal, anarchiste. Bah, t'as qu'à rentrer. Oui, au fait, assignation, bien sûr. Anarchiste. Tu passes en pâte. Tu passes en pas de drogue. Tu passes en planning comme tout le monde. Et tu viens dans intraveineuse. Vénard, va. Allez, pêche-toi avant de tomber dans les vapes, mon petit. Parce que là, tu as trouvé le bon moment pour venir. Hop, 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 hop. D'accord, oui, c'était un peu normal. Tu viens ici. Allez, hop. Stop. De nouveau, c'est parce que je vous avais expliqué ça la dernière fois, bien sûr. Alors, toujours ici, ok. Bam est parti. Mon maître, risque de démence mineure, mais ça va être fini, mon ami. Tu vas te reposer tout de suite. Comment terminer fabriquer du pemmican? D'accord. Donc, on est toujours avec du 7 degrés là. Ouais, je vais pas tenir le coup avec ça. Bon. Cuisinière électrique, pemmican en boucle. Voilà. On n'a pas le choix. Où vas-tu? Transporte un t-shirt en synthé. Médiocre jusqu'à commerce. T'es bien sûr, mon ami, que tu veux aller jusque-là. Je ne sais pas où est-ce que tu as été apprendre ça, mais. Où est-ce que tu as mis ça? Où est-ce que ça se trouve, ce truc? Donc l'autre, il s'est déshabillé en route, quoi. C'est bien, une bonne idée, ça. Par contre, mon petit lapin, là, il est. Hein, insolation, ouais, ok. Quand elle est enceinte, en plus. Une bonne idée, ça, hein? Pas d'autre, hein? Ok. Bon. Alors, j'en suis où? Bon, ça va pas durer 13 jours, hein, quand même. Voilà, nous sommes déjà à 82. Je pense qu'on va passer le record, on va passer à 87. Je pense qu'on va passer à 87, ça c'est à peu près sûr. Donc toi maintenant, tu es correctement chargé. On va. Là, il fait 12.
Bon, déjà pour le moment, je vais te réinstaller ici. Ça, c'est une chose. Avant que ça ne pète. Ok. Je dis, tu es parti où? Jouer au fer à cheval. C'est bien sûr que tu vas aller dehors pour jouer au fer à cheval. Ok. Ok, on peut encore remettre des pièges. Parce qu'il ne faut pas rêver, hein, ça fait peut-être 2-3 jours qu'on a pas eu de raid, mais on peut très bien en avoir un très très vite. Donc le vagabond est revenu. Chaleur, c'est fait. N'hésitez, on s'en fout. Recherche pour le moment, on laisse tomber. Jean, je ne sais pas ce qu'il me fait, mais il va me faire une petite sculpture en plus, ou deux même. Voilà. On aura des pierres à faire, mais ça, je pense que ça va se faire assez vite. L'autre est occupé de vomir comme une brute. Qu'est-ce qu'il a à l'eau? Est-ce que mes gens n'ont pas été soignés? Ils ont été soignés. Je voudrais bien que ça s'arrête. Hein. Je vous demande de vous arrêter. Bon, ici, 11 degrés. Eh oui, ici, 20 degrés. Vache. Ouais, c'est vrai que là, ça devient un petit peu difficile. 86 degrés. Bon, et là, j'ai 14 degrés. Donc voilà, ça c'est mon meilleur endroit, on dirait 14. Et l'autre, il me disait combien? L'autre ici, tu me faisais combien? 11. Alors on pourrait remettre un troisième climatiseur. Mais je crois qu'on fera ça l'année prochaine. Hein? Là, la vague de chaleur devrait quand même bientôt... Enfin, j'espère. Il devrait bientôt s'arrêter, quoi. Bon, au niveau des végétaux, c'est pas un problème. Hein. Là, même à 20 degrés, on s'en fout totalement. Par contre, je pourrais parfaitement remettre un troisième ici. On va faire ça. On va... miné, on va envoyer Grisdi d'ailleurs faire ça. Là, c'est fabriqué. On va envoyer Decker, voilà. Decker vient ici. Ouais, Decker vient ici. On va s'occuper de toi. On va te demander d'embarquer ce truc. Ensuite, je veux un nouveau, une copie de ceci avec rouge à droite. Je ne vois plus rien. Excusez-moi. Hop. Donc, comment je tourne? Je ne vois plus rien. Je ne vois pas clair. Voilà. Il fait trop noir. Et on place ceci ici. On demande à Decker
parti faire ça, tu es parti faire ça, ok. Becker, tu peux construire sans problème, toi? Non, tu peux pas. Stop, tu viens ici. Ouais. Ah, ça tombe bien, t'as plein, t'as tout ce qu'il te faut juste à côté. C'est parti me chercher un composant. Est-ce que je suis bien ciel ouvert? Oui. Ouais, je m'en doute. Ouais, on sait. Voilà, stop. Voilà. Ok. -16 degrés. Donc nous voici à combien? 88 degrés. Bon. Bien. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Au bout d'un moment, on peut plus tenir, hein. Regarde, elle doit crever, elle doit mourir, et puis c'est tout, hein. Voilà. Allô, tu fais quoi? Tu dresses un dromadaire. Bah pour le moment, tu vas me... Elle est réservée par Grizzly, et Grizzly, il fait quoi? On ne sait pas, mais il est occupé de faire quelque chose. Ah, besoin de soins. Allô? Ouais, ici, allô. Vache, ma petite. Alors, allô, comment te sens-tu? Tu es comment? Tu es comme ça? Santé? Vers intestinaux? Ça devrait bientôt s'arrêter quand même, j'espère. Mes cœurs, ça devrait être ton tour juste après, je suppose. Ah oui, attention, 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 stop. Tu m'arrêtes ça tout de suite, mon ami. Atelier de fabrication, je ne veux plus que tu me fasses ça. Je veux que tu me fasses d'abord un œil bionique, parce que lui ne demande pas de qualité. Donc, avant que tu ne me fasses un truc dégueulasse, et c'est, tu m'as fait quand même un master, bon, tant mieux, mais... Hein, voilà. Alors, le master... Bah oui, c'est le master de Grizzly, hein. Alors, est-ce qu'au fait, mes gens, est-ce qu'ils sont en mauvaise santé ou pas? Non, hein, ils n'ont pas de problème, même ceux qui sont... voilà. Le moment qu'ils restent à l'intérieur, ça va. Hein. Je vais faire vider un petit peu le... Ha. Ok. Becker, tu dois te faire soigner. Pas encore. Alors, on est à
87, ça a l'air de diminuer un petit peu. Puisqu'on était à 88, mais là, il commence à faire un peu plus tard le soir. Alors, je suis à combien? Ouais, ça change strictement rien, je suis toujours à 17. Hein. Malgré mon troisième... Vous pouvez le mettre à moins 50, votre truc, ça changera strictement rien. Hein. Laissez-le à moins 9, c'est bon. Il tient pas, et puis c'est tout. Il tient pas les 9, hein. Vous voyez bien qu'il est à 17. Là, hein. Enfin non, il va peut-être descendre hein, maintenant, 16. Hein. Ouais. En tout cas, apprivoisé, ok. Un colon a besoin de soins, ça doit être toi. Hein. Non, pas encore. C'est qui? Maker. Non, t'as pas besoin de soins. Le traitement. Soins possibles maintenant. Ok. D'accord. Viens ici. Et. Vache, t'es où? Ok, tu viens ici me le soigner. Tu enlèveras ça après. Alors, je suis à combien maintenant là? Toujours 14. Voilà. Température diminue un peu. Pff. Non, il faut pas rêver, ça tient pas. Hein. Bon, je crois qu'on va interdire à nos... Bon. Bon, on peut laisser là, hein, ça ne change rien. Ça ne change pas strictement rien. Dans 16 heures, qu'il fasse plus que 10, 14, de toute façon, au-delà de 10, vous n'avez pas de différence de... au niveau de la température. Du moment que vous dépassez 10, c'est foutu, quoi. Par contre, là, oui, 23, donc frère, ça c'est foutu de toute façon. Ok, je dois pouvoir remettre des trucs ici. Decker, tu crois que t'as une bonne idée d'être dehors, mon ami? Ouais, j'ai une bonne idée d'être dehors, pas de problème. Maker, tu fais de la relaxation et puis tu fais ton truc, c'est bien, mon ami. Notre petite vache, elle va avoir son... Alors ça, c'est bon. Ça. Excellent. Vérifions un petit peu là, notre ami ici. Vous voyez qu'il n'est qu'à 4-3 en beauté. Donc on va installer ceci. À côté de lui. Voilà, ici on a 5-6, donc là on va monter à 6 bien entendu, là on est à 8-4, c'est parfait, oui on est bon partout, hein. 8-2, 8, il n'y a qu'ici qu'il était un petit peu trop bas, 4-3, mais bon, je devrais améliorer avec, avec nos statuts excellentes, bonnes et bonnes, celles-là on va les vendre. Mes cœurs, t'es pas encore guéri, hein. C'est un peu chiant parce que ça m'empêche de faire ce que je veux faire. Hein. Tu as eu le traitement 49. Allez, ça serait bien que ça s'arrête. Bon. Je me demande si on n'a pas eu une autre capsule de cargo de l'autre côté, au fait. Tiens, je ne me rappelle pas, mais... Je crois qu'on avait eu aussi autre chose ici, non? On va peut faire le tour de ce qu'il y a ici. Ah ben, pas difficile, il suffit de regarder. On voit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien sur le côté ici en haut, donc ça veut dire qu'il n'y a rien.
Notez que si c'est caché. Non, je crois qu'il n'y avait rien qui était tombé ici. Bon, ok, donc on va aller voir ce qui s'est passé. Capsule de cargo. Qu'est-ce que c'est? C'est de la viande de poulet. Elle est très bien là, la viande de poulet. Parce qu'elle soit dehors ou à l'intérieur, ça ne va pas lui changer grand-chose. 5 degrés A. La vague de chaleur se termine. La vague de chaleur se termine. Donc c'est monté à 88 quand même, hein, notre nouveau record. Je crois que ça peut monter à 96 normalement. 96, c'est énorme, hein. Il faut bien se dire que même avec mes 3 ventilos là, j'y arrive pas quoi. Je dirais même avec 4 ventilos, je sais même pas si on arriverait à passer ça. Mais bon, c'est pas très important du moment que ça tient pas 10 jours. Donc là, ça fait un jour deux qu'elle a fait. Mais là, on est repassé dans des températures, je vais dire, agréables. Hein. Voilà, 0 degré. Parfait. Ah, je crois qu'on a un animal qui devrait être abattu pour le moment, non? 14 jours, 32 jours là, oui, mais c'est le seul mal que j'ai. Je crois que je commence à buter des. On va commencer à buter. On va enlever zone 1, tu vois, qui ne me sert plus à rien. Celle-ci, c'est pas la peine de la garder. Hein. J'avais pris ça pour déposer mon métal. Alors. Donc, tu es occupé de me faire ça. Hein. Ensuite. Par ton œil bionique, je vais passer les composants après l'œil bionique, comme ça je suis tranquille. Alors. Onze. Eh ben on va pouvoir accepter la viande alors. Les Indes vont pouvoir y aller. Ok, Grisdi est parti me porter un petit truc comme ça. On va porter le suivant. Je crois que j'ai un problème. Tout simplement pour forer. Je me demandais pourquoi Grisdi est parti là-bas, alors qu'il a du travail ici, comme vous pouvez le remarquer. Et donc, on va augmenter un Tramoros. Bah non, il devrait être bon. Comment ça se fait que Grizzly est allé porter quelque chose alors que. D'accord, c'est parce que c'est pas dans notre zone. Voilà. Que fais-tu, ma belle? Tu transportes. Non, tu vas. Rendement minier, ben fais-moi un peu ça, tiens, tant que tu y es. Voilà, vas-y ma biche. Donc on a fini tous nos petits bidules. Je vais pouvoir. Ok, dès qu'elle est partie avec l'autre, on prend ça, on continue à monter notre petit système. Pour le moment, on est pépère. Donc vous ne faites que un à la fois, bien entendu. Mes cœurs, tu me fais quoi? Un mariage est prévu entre qui et qui?
Libellule et d'équerre, ben je vous félicite, mes petits-enfants. Vous allez vous marier. Eh ben vous allez vous marier à ici. Ici. L'hiver, un petit mariage que nous allons réaliser. Ouais, ici, ça sera parfait. Voilà. Je vais faire ça ici. Les autres vous regarderont. Là, on est dans un très bel endroit, charmant. Un maximum de beauté. 7, c'est bon. 7, 2, tout ça, c'est parfait. Alors, on a descendu un petit peu. 6. Ouais. Mais bon, c'est un petit peu sale aussi. C'est peut-être pour ça. Viande à pourri dans le stockage. Bon, ben tant pis. Alors, combien il fait, pourquoi il fait de nouveau 7 degrés? Ouais. Pourrissez, mon enfant, pourrissez. Combien il fait de nouveau dehors? 82, d'accord, je comprends. Je comprends. Mais bon, Philippe et Mikan, et puis c'est bon, hein, on va pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Intérieur 1 degré, waouh! Ça, c'est bien 0. Et dès que ceci sera terminé, qu'on aura fini de tout miner, je pourrais fermer la porte, hein, fermer le bidule, je crois, pour garder une double isolation. Ok, maintenant il est temps de encore laisser prendre un petit peu ici, mais plus trop. Eh ben dites donc, une vague de chaleur qui dure, hein. Bientôt 2 jours. Eh ben, ça fera de la place, hein. Tant mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, hein? Fabriquer un œil bionique. Ok, vache. Mademoiselle Vache, vous allez vous faire un petit plaisir. Vite fait, bien fait. Vous voulez un œil droit. Pas un œil de travers, un œil bien droit. Voilà. Alors, pour vous, mademoiselle, on va vous mettre un médicament. Je crois que j'ai du médicament. Pourquoi? Parce que les autres ont moins de réussite qu'elle. On ne va pas te laisser faire ça toute seule, hein, bien sûr. Et on va demander à qui de te faire ça. Qui est-ce qui va autoriser ça? Parce que maintenant, avec les bras bionique qu'on a, on a déjà plus de possibilités de réussir. Regardez, Allo a maintenant autant de possibilités qu'elle de réussir. Donc ça va être Allo qui va me faire ça. Ouh, Allo, t'es pas de bon poil, toi. Ah oui, tu vas manger, d'accord. Une zone découverte. Ça, ça pue, ça. Ça va. Alors, le toit est comment? Le toit est très mauvais, comme vous pouvez le voir. Mais c'est pas grave, on n'y reste pas. On va juste continuer à miner ce qu'on doit miner. Et c'est tout. Architecte des zones. Est-ce qu'il y a un toit? Oui, hein, il doit y avoir un toit quand même là. Ouais, c'est sûr. Ça m'a juste réchauffé un petit peu là, mais bon, tant pis. Hein.
Eh bien, je crois qu'on va déplacer après toute la viande qui était là-bas, vous voyez, toute cette viande là-bas, on va la ramener par ici, dans ce frigo-ci, qui me semble être meilleur. Ou on peut tout simplement en faire un second. On peut très bien en faire un second ici, par exemple. Ou pas. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Ici, certainement pas. Pas de frigo là, ni là. Donc on voit bien qu'ici, on a des problèmes. On pourrait très bien faire un deuxième frigo plus loin. Ça, c'est possible. Je ne sais pas. Bon, déjà, je sais pas. Ok, t'as fini la sculpture, mon ami. Vache, tu devais pas aller te. Si, hein? Bon, tu finis ton truc, tu manges. Et puis tu vas te faire soigner. Non, 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 qu'est pas, ça m'énigme. T'as pas faim? Si, hein? Il me semblait bien que t'avais faim. Voilà. T'as faim. Et puis après, hop, voilà. Et puis maintenant, tu vas te reposer là-bas. C'est exactement ce que je voulais. Et Allo va venir te réparer ton œil. Puis il va être amoureux de toi. Allez, roule. Ok. Bon, mes vaches, elles vont arrêter un petit peu de. Mes trucs vont arrêter de se promener là-bas. On va. J'ai récupéré toute la viande, hein, je pense. Ouais, je pense, elle était là quelque part, hein, je suppose. Ouais. Donc pour le moment, on va retirer une zone autorisée aux herbivores qu'ils arrêtent de se promener là-dedans. Ça sert à rien. Voilà. C'est mes herbivores. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Voilà, un petit gouré là. Un tramoros, il peut y aller. Ah, l'erreur, quoi. Bien sûr qu'un tramoros peut y aller. Tramoros, il peut aller où il veut, là. Où il peut, disons plutôt. Allez, ok. Alors, par contre, je veux que herbivore n'aille plus dans mon frigo. Fini les gars, vous pouvez plus y aller. C'est fini, terminé, terminé, terminé. Allez, foutez le camp, on vous a assez vu. Ah ouais, merci, merci. Merci, merci, merci. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Trop gentil. Voilà, ça diminue un petit peu. Bon, on va accepter la viande aussi, alors, hein.